Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va! Nous avons des adjectifs de caractère invariable, où le féminin et le masculin s'écrivent et se disent de la même façon. En général, ce sont des adjectifs qui, au masculin, sont terminés par un « e ». Être calme, être dynamique, être stupide, être sympathique, être timide, être triste. Être cool d'influence anglaise. Être populaire. Et être drôle. Pour exprimer le caractère, nous avons d'autres adjectifs réguliers. Pour former le féminin, il faut simplement ajouter un E au masculin. Par exemple, être amusant ou amusante. Être décontracté ou décontracté, être détendu ou détendu, être gourmand ou gourmande, être impatient ou impatiente, être intelligent ou intelligente, être intéressant ou intéressante. Être méchant ou méchante et être violent ou violente. Nous avons d'autres adjectifs particuliers pour exprimer le caractère où le masculin et le féminin sont légèrement différents. Être curieux ou curieuse, être généreux ou généreuse. Être peureux ou peureuse, être sportif ou sportive, être gentil ou gentille, et finalement, être discret ou discrète. Attention à l'accent. J'espère que tu auras bien vu la différence, non seulement orthographique, mais aussi de prononciation entre le masculin et le féminin. N'hésite pas à revoir la vidéo pour pratiquer la phonétique. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras bien compris comment utiliser les adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Et à bientôt!